Avec le décès de Vangelis, c'est une partie de l'histoire de la musique, et plus particulièrement de la musique de film, qui disparaît. L'artiste grec a inspiré une génération de musiciens, y compris ses contemporains comme Jean-Michel Jarre. La légende de la musique électronique française a livré un hommage ému à la star. Cher Vangelis, nous nous souviendrons tous à jamais de ta touche unique et de tes mélodies émouvantes. Toi et moi avons toujours partagé la même passion pour les synthés et la musique électronique. Puisses-tu reposer en paix. Vangelis s'était notamment illustré avec les bandes originales de films cultes tels que Blade Runner 1492 ou encore Les Chariots de Feu, qui lui avait valu un Oscar de la meilleure musique de film en 1981. Très populaire en France, où il vivait une partie de l'année, entre Londres et Athènes, il avait été fait chevalier des arts et des lettres en 1992. D'après plusieurs médias grecs, Vangelis serait décédé des suites de problèmes cardiaques liés au Covid. Il avait 79 ans.